Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue à Momentum Sans Frontières. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver ici à Momentum Sans Frontières pour une nouvelle célébration. Ce matin, on va encore vivre un temps magnifique dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais avant tout simplement te souhaiter la bienvenue, te souhaiter le bienvenu. Je sais qu'encore cette semaine, vous êtes des dizaines à vous être inscrits sur Momentum Sans Frontières. Alors ceux et celles qui vous êtes là depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que juste dans le chat, vous pouvez commencer à souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous ont rejoints tout récemment. Les amis, également, vous savez que j'aime faire ça, mais j'ai besoin de savoir dans les commentaires de là où vous nous regardez. Alors c'est pourquoi, mettez simplement le numéro de département si tu veux, ou simplement la région, ou peut-être le pays de là où tu nous regardes. Par contre, si tu mets le pays, mets également l'heure qu'il est chez toi. C'est toujours bizarre de dire qu'il y a des gens, il est tôt chez nous le matin, et là, il est minuit chez eux, ou plein l'après-midi. Bref, je raconte ma vie. Juste pour vous dire, amis, soyez les bienvenus. Ce matin, on va encore vivre un temps super, mais avant ça, laissez-moi vous donner le programme de la semaine. Le programme de la semaine, il est simple. Dès mardi, les amis, mardi, on a un workshop qui est préparé et prévu avec le pasteur Dan Mitten à Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment pour tous les Belges, le 19 juin. Donc pour les chanteurs, les musiciens, mais de manière plus générale, pour tous ceux qui souhaitent servir au niveau de la louange. Pour y participer, c'est simple, tu dois absolument, au préalable, assister à la réunion Zoom qui aura lieu ce mardi, là, ce mardi 14 à 19h. Et sinon, le workshop aura lieu à Bruxelles le dimanche 19 juin à 14h. Mais pour ça, la réunion de mardi soir, elle est indispensable. Et le lien, j'aime dire, j'aime comment on fait pour y participer, c'est simple. Tu vas directement sur Momentum Sans Frontières et dans le groupe Momentum Bruxelles, tu vas cliquer pour rejoindre le groupe et le lien se trouve à l'intérieur du groupe parce que le Zoom aura lieu dans ce groupe-là. Juste après ce moment-là, à 20h, ne quittez pas Momentum Sans Frontières. Il y a un rendez-vous pour toi, un live sur le QG, un message que je vais prêcher intitulé « Pourquoi prier Jésus ?» Peut-être certains se posent la question « Pourquoi on ne prie pas autre chose ?» Quelqu'un d'autre, « Pourquoi placer ma foi en Jésus ?» Et le titre du message sera « Pourquoi prier Jésus ?» Mercredi, donc, vous connaissez, mesdames, le programme 6h du matin, femme de prière, le sujet avec Nirine, prier pour nos relations. Mon épouse Victoria va vraiment apporter également un podcast autour du célibat. Célibataire, est-ce que célibataire signifie obligatoirement être seul ? Également, vendredi, pour tous les célibataires sur Momentum Sans Frontières, il y a un sujet croustillant pour vous. Le sujet, c'est « Pas de sexe avant le mariage ?» Oui, mais, trois petits points. Et on va aborder ça vendredi soir à 20h. Les amis, sans plus tarder, je vais vous laisser avec le pasteur Patrice qui va nous prêcher un super message intitulé « Comment avancer lorsque l'enfer se déchaîne ?» Mais avant ça, j'ai vraiment à cœur de vous dire encore merci ce matin. Merci infiniment pour vos dîmes. Merci pour vos offrandes. Merci parce que chaque semaine, je sais vous donner. Mais merci infiniment pour votre fidélité parce que grâce à vos dons, grâce à vos dîmes et à vos offrandes, ça permet au royaume d'avancer, à Momentum Sans Frontières également, de se développer, de grandir et faire encore plus de programmes adaptés à chacun. Donc merci infiniment pour ça. Les amis, vous pouvez toujours donner sur monoffrande.fr, directement dans la rubrique dîmes et offrandes sur églisemomentum.com ou sur le petit cœur écrit don sur Momentum Sans Frontières. Et les amis, juste avant de vous laisser avec le message du pasteur Patrice Martorano, je vous laisse avec toute l'équipe de louanges qui va nous connecter avec Dieu et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Sans plus tarder, chantons ensemble celui qui est l'auteur de la vie. Venez célébrer Dieu avec nous ce matin, on y va, on le chante ensemble. En ton nom, on y va. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. On y va ensemble sur un ciel gris. Un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Toujours, je
ce monde. Pour que ce monde puisse voir ta grâce. Pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. À jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Oh Jésus, sois élevé. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Je donne ma vie pour te suivre. Ton amour, ça me suffit. Tu es la vie, oh. Tu es la vie, tu vis en moi. Où est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur ce matin ensemble, l'Église Momentum? Alléluia. Oh Seigneur, sois le bienvenu ce matin. Oh, je t'invite à ta place simplement à fermer tes yeux dès maintenant et à accueillir la présence du Seigneur. Il est celui qui était, qui est, qui sera. Il est celui qui marche avec toi. Et ce matin, nous sommes réunis pour l'adorer, le célébrer, pour chanter louange à son nom. Seigneur, reçois notre adoration ce matin. Chantons louange à son nom. Louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Oh, chantons honneur à son nom. Chantons honneur à son nom. Honneur. Notre nom, oh, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Oh, chantons ensemble, chantons louange. Chantons louange à son nom. Oh louange, louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons. Le nom bien
tu es l'amour. Et tu es l'amour, toujours là, à chaque pas. Oh, est-ce qu'on peut le reprendre ensemble, Église ? Ton nom est vie. Ton nom est vie, ton nom. Que nos louanges puissent remplir ce lieu et réjouir ton cœur, Seigneur Jésus. Tu es digne. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. À chaque instant, que nos louanges inondent ce lieu, que nos arriva,
ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la terre, toute la maison, pardon, où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Comme dans cette chambre haute, on est là devant toi, Seigneur, tous ensemble d'un même cœur, d'un même esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous la recevons, nous l'acceptons. Merci pour ta douceur, Seigneur, pour ta bonté. Saint-Esprit, tu es doux, plein de bonté. Nous te recevons ce matin. Alléluia. Tu es notre espoir, Seigneur. Nous espérons en toi, Seigneur. Alléluia. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de nous saisir par ta présence.
ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles. De Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joie. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. Merci Jésus. Merci parce que ta parole est vraie. Nous y croyons, Seigneur. Nous voulons proclamer ces choses sur nos vies. Merci, Seigneur. Tu rends la vue aux aveugles, Seigneur. Tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les corps, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, sur laquelle nous nous appuyons. Je t'invite ce matin à prendre possession de ces paroles pour toi, parce que c'est pour toi qu'il a créé tout ça. C'est pour toi qu'il a fait tout ça. C'est pour toi qu'il fait tout ça encore aujourd'hui. Alléluia. Par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance,
dans ce lieu sont reconnaissants que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Savez-vous pourquoi Jésus n'est pas comme les autres à nos yeux? Une des raisons principales, pour beaucoup, Jésus, c'est un personnage historique, comme il y a eu Jules César, comme il y a eu Napoléon, comme il y a eu tant de personnages historiques. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus, pour nous, est différent de ces personnages-là? C'est que le Saint-Esprit rend vivant Jésus en nous. Sinon, ça ne serait qu'un moment historique. Mais parce que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit témoigne à notre esprit que Jésus-Christ est vivant, que Jésus est ressuscité. Alors, est-ce qu'on peut applaudir bien fort l'Esprit de Dieu qui agit dans nos vies? Hey, peut-être que tu t'es connecté ce matin et tu t'es dit « J.M., une fois de plus, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Je traverse des situations en ce moment qui sont difficiles, qui sont compliquées. Je porte des fardeaux sur mon cœur, sur mon dos et j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. » J'aimerais juste t'encourager, à l'instant où je te parle, il y a toute une équipe de conseillers, hommes, femmes, dans les bureaux ici à l'Église Momentum, qui sont derrière leur écran, qui n'attendent qu'une seule chose, que tu puisses aller cliquer sur le formulaire qui se trouve dans le chat actuellement. Et alors que tu cliques sur le formulaire, on va te demander 2-3 informations, tu vas rentrer ces données-là, et à l'issue de la célébration, l'équipe de conseil va prendre le téléphone, ils vont t'appeler, ils vont t'écouter. Ils vont t'encourager et vont prier avec toi. Alors surtout, ne rate pas ce moment. Je crois qu'il y a un rendez-vous pour toi ce matin. Ne passe pas à côté de ce moment et je crois littéralement que tu vas avoir une parole pour ta vie ce matin. Alors je t'invite à appeler, à remplir ce formulaire et les conseils vont te rappeler juste à l'issue de cette célébration. À très vite. Ciao, ciao. Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu. Avant de reprendre vos places, prenez un instant pour saluer les gens qui sont autour de vous. On est heureux ce matin de se retrouver tous ensemble. C'est une grâce et une bénédiction d'être là. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignaient sur Internet, sur Momentum Sans Frontières. On est heureux de vous avoir avec nous. Pensez à liker la vidéo pour qu'elle puisse être partagée un maximum de fois. Est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, s'il vous plaît? Avant de rentrer dans le message de ce matin, j'aimerais juste prendre un instant pour vous partager. La semaine passée, nous n'étions pas là, on était un petit groupe, une dizaine de personnes, où nous étions sur Bruxelles, parce que nous sommes en train d'implanter une église et qui va voir son lancement, Dieu voulant, en septembre de cette année. Et donc, nous avons fait, si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît, nous avons fait le lancement, enfin pas le lancement, mais nous avons fait une réunion la semaine passée, parce que nous commençons à préparer les choses qui arrivent. Ce sont l'ombre des choses qui arrivent. Et donc, nous étions environ, avec les enfants, nous étions entre 170 et 180. On a fait une réunion dans un cinéma, comme vous le voyez ici, et on est extrêmement bénis et encouragés. Et la chose qui est belle, c'est que déjà, il y a plein de nouveaux qui viennent, et dont plusieurs qui sont déjà, trois si je ne m'abuse, trois qui sont en attente de baptême pour le mois. C'est-à-dire que quand nous allons démarrer l'église, ça va démarrer avec un service de baptême. Alors, je sais que le message aussi va passer sur Internet. Donc, si vous êtes sur Bruxelles, si vous n'avez pas d'église, bien sûr, vous êtes les bienvenus le 19 juin. On se réunit, suivez les actus sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, que toute l'église, vous puissiez prier, vraiment que vous puissiez prier pour ça, prier pour qu'à chaque fois, il puisse y avoir un bel impact. Notre cœur, notre désir, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Donc, priez pour ça. Vous savez, des moments, quand on prie, on a des blancs. Ça vous arrive d'avoir des blancs, sachez que quand vous avez un blanc, il faut prier pour nous, ok? Un blanc, c'est pour Momentum Bruxelles. C'est, tiens, Seigneur, j'ai un blanc, il faut que je prie pour Momentum Bruxelles, ok? Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent par la prière, ceux qui nous soutiennent également financièrement, qui soutiennent ce projet, qui essaiment, qui vraiment investissent pour que le royaume de Dieu puisse avancer. En tout cas, vraiment, merci du fond du cœur pour chacun d'eux. Juste avant de rentrer dans le message, j'aimerais juste vous inviter à courber vos têtes un instant. J'aimerais prier pour que Dieu
Dieu bénisse et nous encourage ce matin. Selon notre Dieu, on est dans la joie d'être réunis dans ce lieu, Seigneur, et nous croyons que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Je prie que tu prennes mon message et que tu le fragmentes en autant de personnes, non seulement de ceux qui sont dans la pièce, mais ceux qui vont aussi l'écouter sur Internet. Je prie pour que tu fragmentes ce message par des milliers et des milliers de personnes et que chacun puisse recevoir une parole qui vienne de ton cœur, qui nous aide à avancer, qui nous aide à connaître des libérations, des délivrances, des émancipations dans nos vies et que nous puissions vivre toute l'étendue de ce que tu as prévu pour nos vies. Seigneur mon Dieu, écarte-moi de ce lieu et prends toute la place qui t'est due. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et tous ceux qui croient que Dieu va agir disent Amen et applaudissent bien fort par anticipation. Alors, il y a 2 semaines de ça en arrière, si vous n'avez pas entendu ce message-là, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. J'ai fait un message sur l'appel de Moïse qui s'intitulait « Dieu veut extraire le meilleur de toi ». Et j'aimerais faire une suite aujourd'hui. Donc, dans ce passage-là, de la dernière fois, pour faire un résumé en moins de 20 secondes, Moïse est à 80 ans, il est dans le désert de Madian, pour lui tout était terminé, et Dieu va venir le chercher et pour lui donner une mission. Sa mission, elle est simple, retourner en Égypte, là où il y a ses frères et ses sœurs, pour les amener à la libération, pour que le peuple de Dieu puisse sortir. D'ailleurs, la mission que Dieu lui donne, c'est, va voir Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple. On doit comprendre qu'à ce moment-là, ça fait 400 ans que les Hébreux sont en Égypte et ça fait des siècles qu'ils sont des esclaves. Dans la pensée biblique, une génération, ça représente 40 années. Une génération, c'est 40 ans. Et donc, il y a eu cette première génération qui est arrivée, la génération de Joseph, et qui ont une très bonne connaissance, même si la Bible n'a pas encore été écrite. C'est Moïse qui va écrire le Pentateuque, qui va écrire la Torah, le début. Là, ils n'ont pas encore la Bible, c'est juste de la tradition orale. Mais on voit que Joseph, quand vous lisez les passages, on voit que Joseph a une très, très bonne, une excellente connaissance de qui est Dieu. En plus, ça aide, papa c'est Jacob, papy c'est Isaac, et pépé c'est Abraham. Quand tu viens d'une génération comme ça, là, ça aide quand même à comprendre et réaliser qui est Dieu. Et donc, cette première génération a vraiment une grande connaissance de qui est Dieu. Et puis, 40 ans, 400 ans, ça représente 10 générations. Et à chacune des générations, malheureusement, la connaissance de qui est Dieu va être diluée, va s'évaporer. Et lorsque nous arrivons au début de notre histoire, d'ailleurs on le voit même avec Moïse, au début il a vraiment du mal à réaliser même lui qui est Dieu, à comprendre la pensée de qui est Dieu. Et on le voit même lorsque d'ailleurs ils vont sortir et ils vont aller dans le désert et qu'ils vont vouloir se faire une représentation de qui est Dieu, on voit qu'ils vont se faire un veau d'or. Un veau d'or, c'était une représentation d'un dieu égyptien. Donc ça vous donne, ça vous met le niveau spirituel, ça vous met le niveau de la connaissance à ce moment-là de l'histoire, la connaissance de qui est Dieu pour eux, la connaissance de Dieu. Et en même temps, ça m'encourage, parce que je me dis, et ça devrait nous encourager, parce que je me dis, malgré le fait qu'ils n'aient pas une très grande connaissance, quand ils ont invoqué le nom de l'Éternel, Dieu a agi quand même. Et j'aimerais dire à chaque personne qui est dans ce lieu, même si ce que tu as juste entendu parler de Dieu, et c'est ton pépé qui t'en a parlé, et que tu es incapable de réciter un verset, un psaume, que vraiment, c'est, pour toi, c'est quelque chose, une conception lointaine, ou que tu es à l'église, mais que les mois passants, ta passion pour Dieu s'est évaporée, j'aimerais te dire, tu es à la bonne place et ce message est pour toi. Parce que ce message nous dit ceci, même quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Peu importe, ce n'est pas ceux qui connaissent leur vie par cœur, ce n'est pas ceux qui prient 3 heures par jour, ce n'est pas ceux qui sont capables de réciter des psaumes, non, non. Quand un malheureux crie, je l'ai noté, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour que Dieu nous entende, c'est le cas précis du moment de l'histoire que nous allons regarder, quand un malheureux cri, l'Éternel l'entend et il le délivre. Et je crois vraiment à cette réalité. Alors je reviens à Moïse, au message de la dernière fois. Dieu va lui dire, tu vas retourner en Égypte, j'ai entendu le cri de mon peuple et tu vas aller voir Pharaon et tu vas dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et là, lorsque Moïse va arriver, j'aimerais juste que vous puissiez imaginer la scène, lorsque Moïse arrive, d'un côté, c'est une battle qui va prendre place. D'un côté, t'as Moïse, ok, sur le coin du ring, à droite, t'as Moïse,
avec Dieu. De l'autre côté du ring, tu as Pharaon avec toutes ses grandes divinités. Et là, en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que chacune des plaies d'Égypte est un combat spirituel qui va prendre place. En fait, Dieu, à chacune des 10 plaies, va cibler une des divinités, une des entités spirituelles égyptiennes, et il va lui mettre la raclée de sa vie. Vraiment, ça va être ça. Et à chaque fois, première, c'est le Nil. Le Nil était une divinité, et on voit que le Nil, l'eau du Nil, va être changée en sang. Et chacune des divinités, c'est ça. Les Égyptiens adoraient Belzébul, le dieu mouche. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il envoie une invasion de mouches sur le peuple égyptien. Ils ne peuvent rien faire. Il envoie une invasion de sauterelles, une invasion de grenouilles. Il y avait une grande divinité égyptienne, c'était le dieu Hecht, la déesse Hecht. Je ne sais pas si vous avez vu dans des hiéroglyphes, c'est une femme qui a le corps d'une femme et la tête d'une grenouille. Et Dieu va envoyer une invasion de grenouilles. Et à chaque fois, Dieu va prendre chacune des entités et poum, 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 il va toutes les faire tomber les unes derrière les autres. Et là, il arrive quasiment à la fin. Une des plus grandes divinités, c'est le dieu Ra, le dieu soleil. Et que fait Dieu à travers Moïse? Il va mettre les ténèbres, littéralement, eux qui priaient le dieu soleil, il va mettre les ténèbres, le soleil pour eux va disparaître, et le seul endroit où il va y avoir du soleil, c'est au-dessus de Goshen, là où résidait le peuple d'Israël. Et la dernière divinité, c'est Pharaon lui-même, c'était un représentant, Pharaon était considéré comme dieu sur terre, et Dieu va dire, vous allez prendre un agneau, vous allez le sacrifier, et vous allez prendre le sang, et vous allez mettre ça sur les linteaux des portes, et peu importe que tu sois juif, ou égyptien, vous mettez le sang, et lorsque l'ange de la mort va passer, s'il voit le sang sur les linteaux des portes, il ne rentrera pas. Et là, Pharaon, bien sûr, ne va pas le faire, et son fils premier-né va mourir. Et c'en est trop. Là, c'est chaos, décision unanime, plus rien à... Enfin, c'est terminé. Et là, Pharaon va faire appeler Moïse. À la suite des 10 plaies d'Égypte, il va faire appeler Moïse. Moïse, c'est terminé, game over, c'est fini. Prends ton peuple, on en a marre, c'est terminé. Prends ton peuple et partez d'ici. Je veux plus vous voir. Et là, maintenant, imaginez un instant le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui ont mis ce sang sur les linteaux, qui mangeaient l'agneau, la première Pâque qui a été célébrée, ce moment de gloire qu'ils ont vécu, ils ont préparé leurs bagages, leurs valises, tout est prêt, ils sont en train de manger l'agneau, un bâton à la main, prêt à partir lorsque la cloche de la liberté va retentir. Et là, boum, ça arrive, fais partir, je ne veux plus vous voir. Et là, en plein milieu de la nuit, le peuple se lève, Moïse dit c'est bon, let's go, on peut y aller. Et j'imagine 400 ans d'esclavage, 400 ans d'abus, 400 ans de traumatisme. Tu as le peuple qui se lève et là, il y a certainement les larmes qui coulent sur les joues et certainement qu'il quitte Goshen et tout ce quartier en train de louer et d'adorer Dieu. Et là, il devait y avoir des chants extraordinaires. Tu es grand, tu es redoutable, tu es puissant, tu es tellement extraordinaire, notre Dieu. J'imagine des papis qui tiennent la main de leurs petits-enfants. Tu ne vas pas connaître ce que j'ai vécu, je suis tellement heureux que toi, tu ne vas pas le connaître. Et là, ils partent, c'est une libération extraordinaire. Sauf que Pharaon va se raviser. Pharaon va se... D'un moment, c'est comme il va se réveiller. Il va regarder ses conseillers en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a laissé partir nos esclaves et nos esclaves construisaient les choses pour nous. On va être dans la galère. » Donc, ils vont partir à la suite du peuple d'Israël pour les traumatiser de nouveau. Et tout mon travail dans le message que nous allons regarder ce matin, c'est de vous amener à comprendre et à réaliser et à vous identifier, à vous mettre à la place du peuple d'Israël pour comprendre ce qu'ils ont vécu, afin de comprendre ce que Dieu veut faire dans nos vies lorsqu'il y a un pharaon qui nous court après et qui veut nous faire du mal. Vous ne pourrez, j'ai écrit ceci, vous ne pourrez pas comprendre ce que ce texte signifie à moins de plusieurs choses. La première chose, que vous ne vous souveniez de la peur absolue ressentie en laissant tout ce qui est familier derrière vous et en fuite. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leur quartier, ils ont laissé tout le monde connu qu'ils avaient pour aller vers l'inconnu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est quelque chose dont nous devons réaliser. Également, que vous ne ressentiez la vulnérabilité de ne pas être protégé. Certains vous allez dire, bah quand même, les 10 plaies d'Égypte, etc. Oui, mais ils avaient une connaissance très mauvaise de qui était Dieu. Souvenez-vous, quelques semaines après, ils vont faire le veau d'or. Également, que vous ne sachiez ce que signifie le fait de n'avoir aucun niveau social. Ils sont nés esclaves
Et c'est la première fois que la porte... C'est comme la porte de la cellule vient de s'ouvrir. Ils ne savent pas du tout ce que c'est que la liberté. Ils ne savent pas du tout ce que c'est que d'être des citoyens normaux. Que vous ne vous sachiez ce que signifie le fait de n'avoir aucun niveau social, ni économique, ni de statut politique, ni de voix pour riposter. Et voici qu'une puissance spirituelle, démoniaque, tout ce que vous voulez, s'élève contre vous. Vous pouvez entendre le bruit des sabots des chars de votre passé qui est sur le point de vous rattraper. Ils vous courent derrière. Et eux, ils sont à cheval, ceux qui vous en veulent. Et vous, vous avez juste enfilé une petite paire de Nike. Et vous allez devoir dealer avec Pharaon et toute sa cavalerie sur vos vies. Et on doit comprendre, c'est ce que le peuple a vécu. Alors maintenant, lisons le passage. J'ai mis quelques versets, un peu plus que d'habitude, mais pour moi c'est important que vous compreniez, ça va reprendre ce que je viens de vous dire et que vous compreniez tout le contexte de ce passage-là. Et regardez ce que Dieu dit, très intéressant. Dieu parle et il dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. » Mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël dont nous n'aurons plus les services? Les esclaves sont partis. Le pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars qui se trouvaient en Égypte. Surtout s'il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les Israélites et les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignirent. Ils arrivent juste derrière eux. Ils les atteignent alors que le peuple campait près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Alors, on allait plus loin, on continue de lire. Juste un instant. Si j'ai bien compris, et je pense que j'ai bien compris, et je pense que vous avez bien compris aussi, ce Dieu qui a libéré le peuple, okay, qui a ouvert la porte de la prison, et qui a permis que tout le peuple part enfin libre et ils sont là en train de chanter, de louer, d'adorer. Ce même Dieu a été de nouveau vers Pharaon et qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon parte de nouveau chercher le peuple qu'il vient de libérer pour les ramener captifs en Égypte. Il y a quelque chose d'intéressant là. On va le regarder ensemble. Moïse répondit au peuple. Donc, vous comprenez que tout le monde est là, c'est le stress total. Et Moïse dit ceci, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, tout ce qui te stresse, ce qui t'angoisse, ce qui te traumatise, ceux qui t'ont abusé, ceux qui t'ont piétiné, ceux qui t'ont injurié, vous ne les verrez plus jamais. » L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et franchement, il prêche bien Moïse. Hein. Là, c'est ce qu'il a dit au peuple. Et juste après, c'est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi ?» En fait, j'imagine Moïse, parce que je suis prédicateur, il est là, il est en train d'encourager les gens, et une fois que tout le monde est content, il va, « Ah Seigneur, et pourquoi ?» C'est vraiment ce qui s'est passé. Et Dieu lui dit, « Mais pourquoi tu cries vers moi ? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. » Mettez-vous en mouvement, les amis. Continuez à avancer. Malgré les combats, malgré les luttes, malgré les difficultés, continue à avancer. Dites avec moi, continue à avancer. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied et la mer était sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Vraiment, Dieu veut vraiment les endurcir. Pour qu'ils y entrent derrière eux, je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars, de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Aujourd'hui, mon message s'intitule « Comment avancer lorsque l'enfer se déchaîne ?»
Comment avancer lorsqu'il y a Pharaon et sa horde de démons, Pharaon, ses chars et sa cavalerie, alors que moi, je me retrouve bloqué devant une mer d'impossibilité, je suis cerné de toutes parts, l'ennemi est sur le point de fondre sur ma vie. Comment continuer d'avancer quand l'enfer se déchaîne? Parfois, soyons honnêtes, les conditions ne sont pas telles qu'on l'avait rêvé. Parfois, les circonstances que l'on avait imaginées dans nos moments de prière et de louange et d'adoration, la manière dont on avait fait notre propre film, parce qu'on est bon pour faire des films, hein, on sort la caméra, on tourne, ça va se passer comme ça, etc. En fait, ça ne ressemble pas trop à la réalité. Et là, on se dit, mais Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi je me retrouve dans une situation pareille? Pourquoi je me retrouve bloqué comme je suis bloqué aujourd'hui, et pourquoi il y a tout ce pharaon qui vient avec tout ce que ça représente, pourquoi je me retrouve là? Et c'est là où Dieu, et on l'a vu dans le passage, dit à son peuple, continue à avancer. Ben là, Seigneur, t'es gentil, mais il y a une mer devant moi, il y a toutes sortes d'impossibilités. Non, non, Dieu te dit, continue à avancer. Vous vous souvenez de l'ADN de l'Église? La vie est dans le mouvement, s'immobiliser, c'est la mort. Continue à avancer. Dans le bureau de Mathieu Perrault, il y a un petit cadre que j'aime bien. Et souvent, Mathieu dit cette phrase lorsqu'il prêche. C'est vrai, il s'en sert souvent. Celui, je l'ai noté, celui qui ne cesse jamais d'apprendre ne cesse jamais de grandir. En fait, notre Dieu veut toujours que nous avancions, que nous apprenions et que nous grandissions. Ça, c'est le cœur de Dieu. Jusqu'au bout, l'apôtre Paul, jusqu'au bout, il voulait ses livres, il voulait continuer à apprendre. Je me souviens lorsqu'on était au Canada avec mon épouse, on a commencé le ministère là-bas, dans la jeunesse et tout, puis un jour, il y a eu un rassemblement pastoral et il y a eu un invité. Et l'invité, il est toujours vivant, il avait à ce moment-là 65 ans, il s'appelle Jack Hayford. Et Jack Hayford, pour que vous compreniez, aujourd'hui c'est un monsieur, donc il a plus de 85 ans, mais quand il avait cet âge-là, 65 ans, il y a 40 ans on va dire en arrière, Jack Hayford, pour ceux qui connaissent un peu les jeunes, ceux qui connaissent Stephen Furtick, c'était il y a 40 ans, c'était le Stephen Furtick de l'époque. Okay, c'est, il composait des chants, « Majesté, louez sa majesté », c'est Jack Hayford. Et Jack Hayford avait la plus grande église aux États-Unis, à Van Nuys en Californie. Et la chose qui nous avait marqué, on était plusieurs, on en avait parlé, c'était que malgré ses 65 ans, on est d'accord pour dire 65 ans, surtout à ce moment, je suis dans la vingtaine, quand tu es dans la vingtaine, 65 ans, c'est très vieux. Je fais attention parce qu'au premier culte, j'ai dit 65 ans, c'est vieux. J'ai eu plein de gens, oh, c'est quoi ça? Non, c'est pas vieux. Quand tu es dans la vingtaine, 65 ans, c'est vieux. Okay? Et donc, nous, pour nous, c'est un vieux monsieur. Okay? 65 ans. Et la chose qui nous avait marqué, c'est que malgré toute la charge, les responsabilités qu'il avait, il était d'une fraîcheur hallucinante. C'était d'autant plus marquant que là, dans cette pastorale-là, tu avais des pasteurs qui avaient petite trentaine, qui avaient des églises de 40-50 personnes, ils étaient en burn-out, ils étaient en épuisement total. Et là, tu as un monsieur de 65 ans qui a 30 000 personnes dans son église et lui, il est frais. Et je me souviens quand il nous partageait son cœur, quand il nous partageait qui il était, on avait compris quelque chose. D'ailleurs, c'est un des hommes qui m'a le plus inspiré en moins de 35 minutes. Et il nous partageait sa vision, il nous partageait comment il voyait l'Église et comment il développait sa vie spirituelle et comment il apprenait. Et la chose qui en ressortait, c'était qu'il ne cessait d'avancer. Malgré ses 65 ans, malgré qu'il avait la plus grande église, malgré que ceci, malgré que cela, il ne cessait d'apprendre, il ne cessait de grandir. J'aimerais te dire, je crois que notre Dieu te dit ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe tes combats dans ton couple, dans ton travail, dans tout ce que tu peux avoir autour de toi, Dieu te dit ce matin, ne t'inquiète pas du pharaon qui est derrière toi, ne t'inquiète pas des circonstances et des situations, continue à avancer. Même si l'enfer se déchaîne, continue à avancer. J'ai noté, pour continuer à grandir, vous devez continuer d'avancer. Vous savez, aujourd'hui, un des poissons à la mode, c'est le saumon. C'est poisson à la mode aujourd'hui, le saumon. Mais il y a 200 ans de ça en arrière, ce n'était pas le saumon. Il y a 200 ans de ça en arrière, quand vous étiez, par exemple, aux États-Unis, dans l'Atlantique Nord, okay, dans les eaux froides, il y a le cabillaud. Et il y a 200 ans en arrière, le cabillaud, ça, c'était le poisson à la mode. Et tous ceux qui étaient sur la côte est des États-Unis, New York, les chefs cuisiniers faisaient du bon
cabillaud. Et lorsque certains ont immigré sur la côte ouest, ils voulaient faire du cabillaud. Sauf que c'est le Pacifique, le côté Los Angeles, Pacifique, eau chaude, il n'y avait pas des cabillauds. Donc il fallait les faire venir. Sauf que tu n'as pas l'avion, tu n'as pas les voitures, tu n'as pas le TGV, tu n'as pas les trains à grande vitesse, tu as juste une petite locomotive. Et là, lorsqu'ils ont voulu prendre le cabillaud, ils ont voulu l'amener sur la côte ouest. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas, ça a dû prendre 7-8 jours pour arriver, le poisson, il n'était pas très frais. Hein. Ça sentait mauvais. Donc ils se sont dit, mais non, mais on aimerait nous manger du cabillaud aussi. Alors ils se sont dit, ben, on va mettre des bacs et on va mettre plein de glaçons, on fera des arrêts et on va mettre le cabillaud à l'intérieur. Et lorsqu'ils ont fait ça, le poisson est arrivé de l'autre côté après quelques jours. Et là, ils se sont dit, ben voilà, ils ont commencé, mais quand même, bon, le glaçon, ça fait quand même pas mal de jours que le poisson, il est mort. Et il n'est pas très frais, c'était pas bon, ça sentait mauvais. Je me dis, mais comment on pourrait faire? Et là, il y en a un, il a une super idée. Il s'est dit, on va mettre un bassin d'eau, comme un grand aquarium, on va le mettre dans le train, et on va mettre les cabillauds à l'intérieur. Comme ça, lorsqu'ils vont arriver, le cabillaud sera vivant. Tu ne peux pas faire plus frais que quelque chose de vivant, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que le poisson, tout le long, bah, il n'est pas dans son milieu naturel, il n'y a pas les prédateurs, il n'y a pas la nourriture habituelle, et en fait, il est en état de léthargie. Et lorsqu'il est arrivé, le poisson était frais, dans le sens où il était vivant, et ils se sont mis à le cuisiner. Et là, ça a été très particulier parce qu'ils se sont aperçus, alors le poisson était bon, mais ils se sont aperçus qu'il était beaucoup moins goûteux, que ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils connaissaient quand ils le pêchaient. Et donc, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, peut-être que c'est le fait qu'il reste dans un état léthargique. Il est dans un gros bassin, il ne bouge pas, ils sont dans un état léthargique, il ne bouge pas. Et il y en a un qui a une idée. Il dit, venez, on met des prédateurs à l'intérieur. C'est pas une blague? Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des lamproies. Vous savez ce que c'est une lamproie? À Bordeaux, c'est une spécialité, hein, la lamproie bordelaise. La lamproie, si tu peux mettre le poisson. La lamproie, c'est ce poisson, ça fait comme une petite anguille avec une bouche ronde, ok? Et la bouche, c'est ça. C'est plein de dents, là, ce que vous voyez. Et en fait, la lamproie, c'est un prédateur du saumon, c'est un prédateur du cabillaud. En fait, c'est comme une sangsue. Ça se colle, ça mord le poisson et ça suce tout le sang. Okay. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est « Venez, on va mettre quelques lamproies à l'intérieur du grand aquarium. » Et lorsqu'ils ont mis des lamproies, d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les cabillauds n'étaient plus du tout dans un état léthargique. Ils étaient dans un état sur leur garde, en fuite, attention, etc. Et lorsque le wagon est arrivé sur la côte ouest et qu'ils ont goûté le poisson, vous savez quoi? Le poisson était bon comme s'il venait de sortir de la mer. J'aimerais vous dire... Il y en a, vous avez vu venir. Hein. Parfois, Dieu met dans nos aquariums de vie des petits poissons vampires et des pharaons pour nous faire avancer. Parce que s'ils n'étaient pas là, on serait dans un état léthargique et on ne ferait pas grand-chose. Et Dieu... Et Dieu met dans notre aquarium un pharaon belliqueux. C'est vrai que le lamproie, ça s'appelle aussi un poisson vampire. Il met des petits poissons vampires, il met toutes sortes de combats qui nous maintiennent, alors que nous, peut-être, on s'avachirait quelque part, alors que Dieu, lui, nous attend dans le pays promis, alors que peut-être on ne bougerait plus. Dieu prévoit, il endurcit le cœur de certaines choses et situations, comme des lamproies, des petits poissons vampires, qui nous picotent, qui nous mordillent un petit peu les mollets, là, comme ça, et qui nous poussent à avancer. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, je sais, moi le premier d'ailleurs, hein, je dois l'avouer, on fait quoi? On prie pour avoir des aquariums sans pharaon quand même. Ok? Tous les jours, on prie souvent pour ça. Seigneur, je prie, enlève tous ces poissons vampires, ces lamproies, ces pharaons. Regarde là au boulot, elle me fatigue, elle fait la disparaître, Seigneur. Et cette situation, etc., machin. Et on prie, en fait, on prie pour ça. On prie pour des vies où il n'y a pas de pharaon dans l'aquarium. Ce qui est marrant, façon de parler, c'est pas le diable qui a endurci le cœur de Pharaon, c'est Dieu qui l'a endurci. Et il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'était de faire avancer le peuple de Dieu. C'était de les picoter pour qu'ils aillent jusqu'au bout, pour que nous puissions continuer à avancer. J'écris ceci, nous apprenons à bien prier que lorsque quelque chose nous accule. Nous prions bien lorsqu'on se retrouve acculé dans une situation. Souvent, je dis, il n'y a rien de plus puissant que la prière d'une maman ou d'un papa. Quand une maman prie parce que son enfant est dans la drogue, etc., et qu'elle demande la prière du pasteur, bien sûr, on prie.
mais il n'y a rien, parce qu'elle est acculée, la maman. Le papa, il est acculé. Il n'y a rien de plus puissant qu'une prière de quelqu'un qui est acculé et qui a désespérément besoin de voir Dieu agir. Ce qui fait que ta prière est puissante, ce n'est pas que tu as prié à la réunion du mercredi soir. Ce qui fait que ta réunion de prière est puissante, c'est que tu pries alors que tu es acculé et que tu n'as pas d'autre solution que de voir Dieu agir. C'est pour ça. Vous savez, il y a plusieurs raisons de pourquoi on vient là le dimanche matin. Peut-être il y en a, vous êtes venus ce matin parce que vous avez acheté une belle robe, un joli costume, enfin bref, tu dis, les gens vont voir que je suis beau, que je suis belle aujourd'hui. D'autres, vous êtes venus peut-être parce que vous aimez le côté social. Ah, il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a les amis que j'aime bien, etc. Là, vous êtes là parce que vous aimez louer, adorer Dieu. Mais je crois que ce matin, il y en a, vous êtes là parce que vous avez des diables à combattre dans votre vie. Parce qu'il y a des pharaons qui vous courent après, de précarité, de situations matrimoniales compliquées, de toutes sortes d'angoisses. Et vous êtes là parce que vous avez besoin que Dieu vous débarrasse de votre pharaon dans votre vie. Et j'aimerais vous dire, c'est ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, c'est nous libérer d'une emprise qui a été pendant des années sur notre vie, nous en libérer totalement afin que nous puissions marcher en destination de notre héritage en étant des hommes et des femmes libres. C'est ce que je crois que Dieu veut faire. Sauf que quand ça arrive, la Bible nous dit qu'ils vont se mettre à crier parce qu'ils ont peur. Et j'aimerais vous dire ceci, la foi n'est pas l'absence de peur ou de doute. Nous, souvent, nous disons, si j'ai la foi, alors il n'y a pas de doute. La foi et le doute, ça ne fait pas bon ménage. La foi et la peur, ça ne fait pas bon ménage. La foi, c'est notre croyance en Dieu, c'est notre confiance en Dieu. Non, j'aimerais vous dire, la foi, littéralement, n'est pas l'absence de peur ou de doute. Regardez, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. On ne peut pas dire que le peuple de Dieu, à ce moment-là, même s'ils n'avaient pas une grande connaissance de qui était Dieu, on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ça demandait de la foi pour prendre un agneau quelques heures auparavant, de le sacrifier, de prendre le sang, de mettre ça sur les linteaux des portes, de manger l'agneau, d'avoir préparé la valise pour partir en pleine nuit. Ça demande de la foi. Si t'as pas la foi, tu fais pas des trucs comme ça. Donc ils avaient la foi. Ils avaient la foi pour mettre le sang sur le linteau des portes. Ils avaient de la foi pour préparer le bagage. Ils avaient la foi quand Moïse a dit « Let's go, on peut y aller ». Ils ont eu la foi de tous se lever, de partir. Ils louaient, ils adoraient Dieu. Donc ils avaient la foi. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient la foi, et souvent, on doit comprendre ça, la foi ne nous exempte pas parfois de vivre des peurs et des inquiétudes. Parce que quand on regarde, jusqu'à ce moment-là, et d'ailleurs c'est souvent comme nous aussi, jusqu'au moment où Pharaon arrive, on peut dire qu'il se débrouillait bien. Okay ? Il faisait tout ce qu'il fallait. D'ailleurs nous aussi, tant qu'on n'a pas de bâton dans les roues, en règle générale, on se débrouille bien. Ça se passe bien. Quand tout est prévu, quand tout se passe comme prévu, en règle générale, ça va. On se débrouille bien. Jusqu'à là, ça va. Sauf que quand on voit Pharaon qui arrive, quand on voit les complications qui arrivent, c'est là, en règle générale, où ça se passe moins bien, quand le facteur peur d'un traumatisme que nous avons vécu, de choses qui veulent nous ramener en arrière, c'est là où les choses se gâtent. La foi, j'ai noté ceci, la foi et le doute peuvent vivre dans le même espace. Je mets des exemples. Je te crois, mais je suis inquiet. Je te crois, Seigneur, je crois en toi, mais je suis inquiet. Je te fais confiance. Vraiment, je te fais confiance pour ce job que tu vas me donner, etc. Mais je suis nerveux quand je vais faire mon rendez-vous. Vous comprenez? Je te fais confiance, mais je suis nerveux. Je sais que ça va aller, mais je suis toujours debout à 2h du matin et je me fais un sang d'encre. Comprenez-vous? Et la foi, souvent, et la peur cohabitent dans le même espace. Et on a tous des peurs. Et ce qui est intéressant, on a tous des peurs, mais on a tous ici des peurs différentes, suivant ce que nous avons vécu. Et peut-être la peur que moi j'ai te ferait rire. Et peut-être la peur que tu as ferait rire quelqu'un d'autre. Mais nos peurs sont liées à notre histoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas se moquer et juger les autres, parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Moi, par exemple, ma femme, une des peurs qu'elle a, je m'excuse chérie, ça va aller. Et une des peurs qu'elle a, ma femme, elle a peur des toutes petites araignées.
Mais vraiment, quand je vous dis à la porte, c'est un truc de dingue. Hein. L'araignée, elle est petite comme ça. On ne parle pas d'une araignée poilue. Hein. Une petite araignée comme ça, elle est là, elle est prête à tout lâcher dans la maison. Elle hurle, Pat, viens! Et vous savez quoi? Super Pat arrive. Ouais! Et j'arrive, c'est où chérie? Et là, je la débarrasse de son araignée et je me mets dans le salon. C'est moi, j'ai gagné. Et on a tous des peurs, des peurs. Alors, je vous avoue, si ça avait été une mygale, ok, c'est ça, si ça avait été une mygale, je pense pas que j'aurais été l'enlever et je serais pas en train de faire le malin en ce moment. Mais ça allait, c'était une petite araignée, ça allait. Mais on a tous des peurs, et on a tous des peurs ici qui peuvent être différentes. Et c'est pas parce que toi, t'as une peur que l'autre a la même. Et on doit faire face à ces choses-là. J'ai noté ceci, la peur affecte votre esprit. Cela détourne tout. Votre cerveau perçoit tout différemment et vous ne pouvez plus faire confiance à votre jugement. Tout est négatif. Cela affecte vos décisions. Certains traumatismes peuvent vous rendre littéralement paranoïaque. En fait, pour vous donner une image, c'est comme si vous aviez un gros ballon en plastique rempli d'eau au-dessus de votre tête. Et que d'un seul coup, tous ceux qui vous entourent, vous les soupçonnez d'avoir une aiguille. Et tu marches dans la vie comme ça. Qui c'est qui va être le détonateur? Qui c'est qui va faire exploser le ballon? Qui c'est qui va me mettre dans une situation qui va m'angoisser? Et c'est ça. Et littéralement, je crois, et c'est ce qui est arrivé pour le peuple d'Israël, il y a des détonateurs. Des bruits, des odeurs, des situations qui, pour tout le monde, il n'y a rien là, mais toi, ça éveille des choses en toi et ça te ramène dans le territoire, ça te ramène dans le lieu de ton traumatisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël et c'est ce que Dieu a voulu les délivrer et c'est ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Il ne veut pas juste te débarrasser de Pharaon, il veut te débarrasser de la puissance de Pharaon, même quand Pharaon n'est pas là. Même quand tu entends un bruit, un détonateur, un déclencheur, que tu en sois totalement délivré. Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut faire. J'ai mis ceci, ce n'est pas ce qui se passe maintenant le problème, c'est ce qui se passe actuellement et qui déclenche quelque chose qui s'est déjà passé. Vous êtes en train de dire, mais là, tu parles de quoi par rapport à cette histoire? La Bible nous dit, lorsqu'ils ont entendu le bruit des sabots de l'armée, ils ont été effrayés et ils se sont mis à pousser des hurlements envers Dieu. On est d'accord pour dire que le bruit des sabots n'est pas normalement quelque chose qui te traumatise. Peut-être même alors que tu penses au bruit des sabots, pour toi ça éveille des bonnes choses. Ça éveille peut-être quand tu te balades dans la nature et que tu entends un cheval passer, tu entends le bruit des sabots, et peut-être pour toi, c'est plaisant, ça réveille des odeurs, des trucs super sympas. Peut-être si tu as fait des cours d'équitation quand tu étais gamin, c'est des super bons souvenirs. Sauf que pour eux, c'est autre chose. Souvenez-vous, c'était des esclaves, et c'était le peuple qui était en train de brasser avec leurs jambes, leurs pieds. Ils étaient en train de brasser de la boue avec des pailles pour faire des briques, et ils entendaient, parfois derrière eux, le bruit du sabot qui arrivait, d'un Égyptien monté sur le cheval avec un fouet dans les mains. Et eux, dès qu'ils entendaient le bruit du sabot, c'était « je vais me faire fouetter, je vais me faire abuser, je vais me faire traumatiser ». Et en fait, le bruit qu'ils ont entendu et qui les a amenés à pousser des cris de frayeur, c'était un bruit qui évoquait pour eux 400 ans d'abus. 400 ans de traumatisme, et Dieu le sait. Et ce que Dieu veut faire, c'est peut-être utiliser Pharaon pour qu'ils avancent un peu plus vite, mais c'est surtout les débarrasser de Pharaon et de la puissance de Pharaon à tout jamais, afin qu'ils puissent continuer de vivre leur vie sans avoir besoin de regarder par-dessus leur épaule pour savoir si Pharaon allait toujours être derrière eux et qu'à un moment donné, il allait pouvoir les prendre et les ramener. Dieu voulait les libérer de ça à jamais. Et j'aimerais te dire et t'encourager ce matin, Dieu veut te libérer de tous les poissons vampires, des lamproies et des pharaons dont tu as peur, qui te ramènent dans un passé d'abus, d'angoisse, de stress, d'esclavage. Dieu veut t'en libérer et anéantir à jamais la puissance de l'ennemi sur ta propre vie. Et là, réellement, c'est ce qui s'est passé. Il dit à Moïse,
Regardez dans l'état de stress dans lequel ils sont. Il dira à Moïse, pourquoi ne nous as-tu pas laissés en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Parfois, le stress et l'angoisse nous ramènent dans cette position du passé. Mais Dieu est là et il dit à travers Moïse, et il vous dit ce matin, peu importe ce qui prend place, fais-moi confiance, je m'occupe de ce qui t'a traumatisé et toi, continue d'avancer. Dites avec moi, continue d'avancer. Dis à ton voisin, continue d'avancer. Peu importe ce qui s'est passé, continue d'avancer. Continue d'avancer, peu importe ce que tu as passé. Toi qui m'écoutes sur Internet, continue d'avancer. Continue d'avancer. Même si t'entends Pharaon, même si dans ton aquarium, il est là derrière toi, continue d'avancer. Dieu va s'en occuper. Regardez, je sais, si tu peux mettre la diapo, que tu as peur. Mais continue à avancer. Je sais que l'ennemi joue avec tes déclencheurs, mais continue à avancer. Je sais que tu aimerais que Dieu te débarrasse de tes poissons vampires dans ton aquarium, mais continue à avancer. Dieu est Dieu et il sait ce dont nous avons besoin. C'est son travail de débloquer les situations, mais c'est notre travail de continuer à avancer. C'est pourquoi, dernièrement, comprends que le miracle est dans le mouvement. Le miracle est dans le mouvement. En fait, Dieu n'a pas donné un bâton à Moïse pour que Moïse se repose. Souvenez-vous du dernier message qui précède celui-là. En fait, à travers ce bâton, Dieu lui donne quelque chose d'ordinaire, mais parce qu'il veut développer et montrer sa puissance. Et Dieu utilise toujours des choses ordinaires que nous avons. Là, c'est un bâton, ça peut être une fronde et un caillou pour David face à Goliath, cet homme qui traumatise tout le monde. Ça peut être un petit pot de farine que Dieu va multiplier. Bref, 5 pains, 2 poissons pour une foule qui est angoissée parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Bref, Dieu va toujours utiliser des choses ordinaires pour débloquer les situations. Regardez, la Bible dit ceci, l'ange de Dieu, alors que là, jusqu'à maintenant, le peuple marchait, et devant, il y avait une nuée, et il y avait l'ange de Dieu qui était là, l'ange de l'Éternel qui était là. Et l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit, ok, et il alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Waouh ! Dieu a prévu du renfort dans ta galère. Je répète, Dieu a prévu du renfort. Dieu a prévu du renfort. D'un seul coup, l'ange de l'Éternel et la colonne ont été se mettre derrière. Le peuple égyptien, Pharaon et tout son potentiel d'angoisse, alors qu'ils arrivaient, l'ange est venu se tenir entre le peuple et entre celui qui était en train de t'abuser, de te stresser et de t'angoisser. Et la colonne est venue et d'un côté, il éclairait le peuple de Dieu et de l'autre côté, elle envoyait des ténèbres. Dieu a prévu du renfort parce que Dieu veut te libérer, t'émanciper, pas juste un petit peu, il veut te libérer totalement afin que tu puisses vivre ton héritage, afin que tu puisses saisir le pays promis, là où coule le lait et le miel pour ta vie. Et là, Dieu va frayer un chemin. Je demande aux musiciens s'ils peuvent revenir. Regardez, j'ai noté ceci, la mer, alors que la colonne est là, que tout est là, que l'ange de l'Éternel est là, pendant ce temps, Dieu va dire à Moïse, « Prends ton bâton et tiens-toi devant la mer. » Et alors que Moïse est en train de se tenir, poum, la mer va s'ouvrir en deux. Et le peuple va rentrer au milieu de la mer. Et j'ai noté ceci, ils sont entrés esclaves. Ils étaient esclaves, ils étaient abusés, ils étaient traumatisés en rentrant. Mais ils en sont sortis enfants de Dieu. Ils sont entrés fugitifs dans la mer Rouge, mais désormais, ils en sont sortis comme une nation. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Puis, alors qu'ils ont traversé de l'autre côté, la chose qui est extraordinaire, les Égyptiens vont rentrer, le peuple d'Israël est rendu de l'autre côté, et alors que Pharaon et tout son potentiel de traumatisme sont en train de courir après les Hébreux, Dieu va dire à Moïse, de la même manière que tu t'es tenu de l'autre côté avec le bâton pour ouvrir la mer Rouge, maintenant tu vas te tenir de l'autre côté et tu vas refermer la mer. Parce que le désir et le cœur de Dieu, c'était de libérer totalement le peuple.
c'était pas juste de les faire passer. Je crois que le plus grand miracle de la mer Rouge n'a pas été qu'ils sont passés à sec. Si on le regarde d'une manière un peu plus profonde, je crois que le plus grand des miracles, c'est que Dieu les a débarrassés à jamais du potentiel du traumatisme qu'ils avaient vécu. Il a refermé la porte. Bouah, c'est terminé, c'est fini. Vous n'aurez plus besoin de regarder par-dessus votre épaule. Ceux qui vous ont traumatisé, ceux qui vous ont abusé, je vous en libère, je vous en débarrasse à tout jamais. Vous pourrez vivre votre vie sans être angoissé qu'il y a un pharaon qui va venir. Dieu littéralement a fermé la porte. Et je crois qu'il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de ça. La première leçon, c'est que Dieu a noyé le potentiel direct de Pharaon. Mais ce qui est fort, c'est que Dieu n'a pas noyé que Pharaon. Il a noyé le potentiel du Pharaon. Parce que si les chars, l'armée, les cavaliers étaient restés, un Pharaon aurait émergé rapidement et il avait tout le potentiel pour aller traumatiser de nouveau les enfants de Dieu. Et Dieu le sait. Donc Dieu ne s'est pas occupé que de Pharaon, il s'est occupé aussi de son potentiel d'angoisse sur nos vies. Je vais vous en débarrasser à jamais. À jamais je vais vous en débarrasser. Vous, la seule chose que je vous demande, avance. Continue d'avancer. J'ai noté ça. Le miracle est dans le mouvement. La provision est dans le mouvement. La grâce est dans le mouvement. La réponse est dans le mouvement. La nouvelle porte est dans le mouvement. La terre promise est dans le mouvement. Faut y aller. L'accomplissement de la prophétie est dans le mouvement. La réalisation de la promesse de Dieu dans nos vies est dans le mouvement. Alors que tous ceux qui veulent se mettre en mouvement disent amen et applaudissent bien fort. Et regardez la chose qui est extraordinaire. Alors que Pharaon et tout le potentiel, son armée, les chars, la cavalerie, vont être engloutis par la mer. Je m'excuse de finir comme ça, l'image est un peu gore, mais je veux que vous la compreniez. Pour que vous compreniez ce que Dieu veut faire dans nos vies, comment il veut nous débarrasser de nos traumatismes et des choses qui veulent nous ramener à un état d'esclavage. La Bible nous dit, la mer s'est refermée sur eux, et au bout d'un certain temps, les cadavres sont remontés à la surface. À tel point qu'il y avait même des cadavres sur l'autre berge. Et là, quand Moïse était de l'autre côté et qu'il a fermé la porte, ce qui est fort, c'est qu'il a fermé la porte sur les Égyptiens. Juste une petite parenthèse, parce que ça c'est bon, il faut que je vous le dise. Dieu est celui qui ouvre des portes, mais il est aussi celui qui ferme des portes. D'un côté, Dieu a ouvert une porte. Allez-y, allez-y, allez vers votre héritage. Et de l'autre côté, Dieu a fermé la porte. Alors bien sûr, il a fermé la porte sur les Égyptiens, vous avez compris pourquoi. Mais je crois aussi qu'il a fermé la porte pour que le peuple de Dieu ne fasse jamais demi-tour. Parce que Dieu ne veut pas que tu fasses demi-tour. Parce que Dieu ne veut pas que tu retournes à ton condition d'esclave. Alors Dieu t'ouvre la porte pour que tu ailles vers le pays promis, mais il ferme la porte pour que tu ne retournes pas de là où tu viens. Et la porte a été fermée, les cadavres sont là. Vous pourrez lire, hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et de l'autre côté, Moïse, la Bible nous dit, va composer un cantique. Et il va se mettre à louer et adorer Dieu. Seigneur, tu nous as délivrés de Pharaon et de sa cavalerie. Tu nous as délivrés de l'oppression que nous vivions. Tu nous as délivrés du traumatisme que nous avions. Tu as fait en sorte non seulement que Pharaon disparaisse, mais que tout le potentiel, la cavalerie disparaisse. Et ils étaient là en train de louer et d'adorer Dieu. Et là, Myriam, la sœur de Moïse, va prendre son tambourin. Et vous savez ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à danser. Il y a des cadavres qui sont là, mais elle danse. Vous ne nous retiendrez plus jamais captifs. Vous ne nous ramènerez plus jamais dans l'angoisse. Vous ne nous retraiterez plus jamais comme vous nous avez traités. Toute cette période de notre vie est anéantie. Dieu nous a délivrés. Dieu a mis nos pieds sur un ferme rocher. On va continuer, on va avancer, on va marcher. Et vous n'aurez plus jamais aucun potentiel dans nos vies. Que tous ceux qui croient que notre Dieu est le Dieu de la délivrance disent amen et applaudissent bien plus fort que ça. Est-ce qu'on peut se lever à nos places? Levons-nous. Alléluia.
Et on va déclarer ce matin que Dieu fraye un chemin, que Dieu ouvre un chemin qui n'était pas là, mais Dieu va l'ouvrir. Il va faire un chemin dans la mer, il va faire un chemin dans ton désert. Oui, notre Dieu est celui qui fraye un chemin. Alors juste là où tu es, commence à louer, à adorer ton Dieu. Commence à chanter et à célébrer le Dieu de la libération et de celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir et qui ferme ce que personne ne peut faire ou accomplir. Alléluia! Commence à louer, à adorer ton Dieu. Commence à le remercier pour la délivrance qu'il va t'accorder aujourd'hui. Alléluia! Oh Seigneur Jésus! Jésus! Alléluia Seigneur notre Dieu! Déclarez-le, voilà qui tu es, Seigneur. Tu crées un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Alléluia. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Merci au pasteur Patrice pour ce super message encore aujourd'hui. Et je crois que vous aussi, tout comme moi, vous avez été bénis par ce message. Alors n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Simplement, peut-être un point du message qui t'a parlé. Simplement, merci pasteur Patrice pour le message de ce matin. Mais toi, comment tu fais pour avancer lorsque tu as l'impression que l'enfer se déchaîne sur ta vie? N'hésite pas également à nous partager peut-être une expérience, un témoignage dans les commentaires. On sera vraiment content d'entendre ton témoignage et surtout de le partager avec toi. Les amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. N'oubliez pas, je vous donne rendez-vous ce mardi pour le Zoom avec le pasteur Dan Mitten qui va nous préparer en vue du workshop qui aura lieu le dimanche 19 juin à Bruxelles.
et également tout le programme de la semaine. Vous pouvez le retrouver directement sur votre boîte mail avec le mailing qui est envoyé chaque semaine ou directement en vous connectant sur Momentum Sans Frontières. Vous avez tout le programme dans la catégorie événements. Passez une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.